Alors que Félix Tshisekedi s'apprête à prendre les commandes de la République démocratique du Congo, Martin Fayulu ne décolère toujours pas. Celui qui se considère comme le seul président légitime de la RDC devrait s'adresser à ses partisans à Kinshasa lundi, mais son meeting a été dispersé par les forces de l'ordre. Le président Martin Fayulu devait s'adresser à la base, mais on a trouvé les lieux assiégés par la police, armés jusqu'aux dents. Ils ont cassé le podium, ils ont pris le baffle, ils ont procédé à l'arrestation des quatre militants, les chauffeurs. Des heurts ont par ailleurs éclaté entre les militants de la coalition Lamuka et ceux de l'UDPS. À l'image de leur leader, les pro-Fayulu restent amers après la validation de la victoire de Félix Tshisekedi, qu'ils considèrent toujours comme un hold-up électoral. Alors, les gens que vous voyez, ce sont des citoyens paisibles congolais qui viennent réclamer la vérité des urnes. La Cour suprême, en collaboration avec Félix Tshisekedi et Kabila, il a dupé le peuple congolais et nous savons bien que ces élections n'ont pas été obtenues facilement et voilà que nous nous retrouvons dans une situation de crise. C'est dans ce contexte que le nouveau président congolais devra prêter serment jeudi, selon des sources concordantes, une farce pour les pro-Fayulu.